Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte, et c'est toujours une carte d'anniversaire. Je me suis servi d'un fond que j'ai réalisé avec la gel presse et que vous retrouverez dans la vidéo précédente. Je viens mettre en couleur ce petit Tom le magicien avec mes feutres à alcool Pro Marker. Je vous laisse comme d'habitude pour cette étape en musique. Une fois que la colorisation est terminée, je viens passer au détourage de Tom, puis je viens mettre du feutre noir tout autour de mes tranches pour éviter que ce ne soit trop disgracieux. Je viens redimensionner mon fond et je vois où est-ce que je vais placer Tom. J'ai sorti mes Distress crayons et je viens appliquer tout le tour la Distress crayon Black Soot. Je trouve que ça apporte un cadre supplémentaire et ça recentre sur Tom. Je prends le pochoir cercle. Je fixe le tout à l'aide de scotch de peintre et je viens voir où est-ce que Tom va être, puis je viens positionner le pochoir. J'ai sorti la glitter paste de chez Stamperia et je viens l'appliquer très légèrement à l'aide d'un couteau de peintre. Ça apporte un effet de brillance et ça relève un peu la carte. Je n'oublie pas de nettoyer tout de suite mon pochoir. Hors caméra, je suis désolée, j'ai tamponné un sentiment, une combinaison de sentiments de la planche de tampon de Tom, ainsi que d'une planche de tampon anniversaire de Crazy Little Craft. Je viens apporter un cadre au feutre fin, c'est un feutre pit, et je viens agrafer le tout à ma carte. Je mets du scotch 3D derrière Tom pour lui donner un peu plus de volume. Une fois le double face positionné sur Tom, je viens regarder où est-ce que je vais le mettre sur ma carte et je le mets. J'ai sorti plusieurs papiers pour voir derrière quel fond j'allais positionner ma carte et au final, c'est cette couleur bordeaux qui me plaît le plus car je trouve qu'elle fait relever la cape de Tom. Je colle le tout à l'aide de double face core tape. Et je n'oublie pas de coller ma petite étiquette sentiment à l'aide de la colle à pointe fine. Je me suis rendu compte que je n'avais pas été du tout droite dans mon positionnement de la carte, donc j'ai tout récupéré avec mon réglé et mon cutter. Je colle le tout sur une base de papier Maya brun. Je viens marquer le pli dans mon massicot. Et cette carte est bientôt terminée puisque j'ai rajouté du glossy accent pour encore une petite touche de brillance sur l'étoile du chapeau et l'étoile de la baguette de Tom. Je vous laisse avec les photos comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations.